Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce qui va nous permettre de surveiller la santé de la batterie de notre ordinateur portable en comparant avec la capacité initiale lorsque nous avions acheté notre batterie et enfin générer un rapport pour savoir si maintenant notre batterie nécessite un remplacement ou comment. Dans Windows, il y a une fonctionnalité qui va nous permettre de générer ces rapports. Donc, si vous utilisez Windows 10 ou Windows 11, cette vidéo est faite pour vous. Nous allons y arriver, mais l'outil nous demande d'utiliser l'envie de commande. Donc, vous n'êtes pas supposé être vraiment un professionnel en informatique pour y arriver. Nous allons appliquer juste une commande qui va nous permettre d'y arriver. Même si vous n'êtes pas un geek, vous allez aussi y faire. Donc, que ça ne puisse pas vous effrayer. Mais je vous invite, chers amis, si vous êtes nouveau à notre chaîne, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien rater. Et surtout, partagez aussi cette vidéo à vos proches. Comme on l'a dit, nous allons y aller maintenant progressivement. Nous allons utiliser l'envie de commande pour générer notre rapport et savoir le niveau de notre batterie en comparant avec son niveau initial lorsque la batterie a été achetée et dégager si la batterie nécessite un remplacement ou comment. Pour y arriver, nous allons utiliser les boutons de Windows plus R et là vous allez taper CMD comme je l'ai fait. Donc, bouton de Windows plus R, là vous tapez CMD, vous cliquez sur OK. Vous voyez? Et là, maintenant, vous allez taper les codes que je vais vous montrer. Soyez vraiment attentifs parce que vous risquez d'avoir une erreur si vous n'avez pas bien tapé les codes. Les codes en question, c'est power config CFG espace slash. Et là, vous allez mettre batterie report. OK? Donc, vérifiez si vous avez bien tapé les codes. Et si cela est fait, vous validez, vous tapez juste sur Entrée. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rapport sur l'autonomie de la batterie enregistré dans. Vous voyez les chemins. Donc, vous allez maintenant y aller rapidement pour retrouver votre fichier. Moi, je vais suivre mon chemin comme on me l'a indiqué. C'est PC et puis disque C. Et là, je vais aller dans Utilisateur. Directement, les fichiers est ici. Batterie report, c'est dans HTML. Donc vous allez l'ouvrir avec votre navigateur. Pour moi, les navigateurs plutôt, par défaut, c'est Google Chrome. Je clique juste dessus et là, les rapports est généré. Vous voyez, les rapports est généré. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si ce sont les détails par rapport à mon ordinateur. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie ici. Regardez cette partie, chers amis. Ce que je viens de souligner ici. Donc ça, c'est là où se trouvent les informations par rapport à notre batterie. Ici, on donne les noms. Les noms, je ne sais pas si c'est les noms qu'on a donné. Ici, c'est les numéros de série de ma batterie. Design. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Vous voyez maintenant ça? Design capacity. Ça, c'est les. Donc, à l'état initial, lorsque la batterie a été achetée, en état encore neuve, elle avait la capacité de 65 664 000. C'est. L'extension ici, c'est milliwatts, si c'est comme ça. Bon, je ne sais pas, je vais me renseigner. Mais la capacité actuelle. Full charge capacity, c'est 32 788. Vous voyez qu'il y a vraiment une réduction. Et si on fait les calculs pour savoir la différence maintenant, parce que selon les informations, si la batterie est déjà en dessous de 80% des design capacity, donc si c'est en dessous de 80% de ça, vous devez déjà envisager remplacer votre batterie. Donc, moi, je vais maintenant essayer
de calculer aussi le pourcentage par rapport à ça. Et pour cela, je peux le faire ensemble avec vous. Je vais utiliser ma calculatrice pour savoir comment calculer et retrouver les pourcentages. Qu'est-ce que moi je vais utiliser? Voyons, allons-y maintenant. Là, je vais taper, je prends la capacité actuelle qui est 32 788. Je vais les diviser avec la capacité initiale. Je divise avec 65 664. Qu'est-ce que ça me donne? 0,49. Si je les multiplie maintenant par 100, donc ici vous allez multiplier par 100 pour avoir la précision par rapport au pourcentage. Vous voyez, moi je suis à 49,9. Donc si j'arrondis, c'est à peu près 50%. Donc là, je dois directement envisager à remplacer ma batterie parce que d'après les années d'utilisation de ma batterie, elle est déjà en cours d'être endommagée. Donc ça ne va plus traîner avant d'être endommagée. Donc si vous constatez que c'est en dessous de 80%, il faudra directement penser à l'envisager. J'espère que cette astuce, chers amis, vous a plu. Abonnez-vous si ça n'a pas été fait. Partagez notre vidéo. Activez la cloche des notifications. Laissez-nous un pouce bleu. Et surtout, nous vous invitons à toujours visiter notre chaîne pour ne rien rater. À plus.